WordPress.com, écriture de contenu. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à déployer un site web. WordPress.com nous offre alors une coquille vide sous forme de site exemple constitué d'une page d'accueil et d'un article exemple. Je vais donc me connecter rapidement sur le site que nous avons créé la dernière fois et qui s'appelait studycuisinex.wordpress.com et nous tombons sur cette fameuse coquille vide. C'est-à-dire que j'ai une page d'accueil qui se trouve ici, avec le titre de mon site et puis la liste de mes derniers articles. Bonjour tout le monde et mon article exemple. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir visualiser cet article. Le problème, c'est que le contenu n'est pas intéressant. Ce que je voudrais, c'est bien sûr avoir mon propre contenu. Je vais donc revenir sur ma page d'accueil pour récupérer mon URL de base. Et en fait, à partir de l'adresse de base, il suffit de rajouter juste après le .com / wp-admin. Voilà, donc le fait d'ajouter ce / wp-admin va me permettre de basculer sur le back-office de mon site. Lorsque je tombe sur le back-office de mon site, on me demande de m'identifier, de m'authentifier. Donc normalement, pour ce site, je crois que mon compte était Fabrice Lot 03. Il me demande un mot de passe. Il en a un enregistré, j'espère que c'est le bon. Effectivement, je bascule sur mon site Avotoc. Si je veux regarder un petit peu à quoi ressemble mon site, eh bien, je peux relancer ce même site, StudyX Cuisine, sur un autre navigateur. Parce que dès que je ferai des modifications, j'aimerais bien consulter celui-ci pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, je vais lancer Firefox et puis je vais coller l'URL de mon site. Voilà, donc là, tout est correct, tout est bon. Je peux à présent essayer de basculer sur les contenus. Donc les contenus, c'est articles. Comme on le voit, il existe un article par défaut qui s'appelle Bonjour tout le monde. Alors déjà, là, je fais une petite parenthèse. Il y a deux types de contenus que l'on peut écrire. Les contenus qui sont des actualités, dans le cadre d'un blog, toutes les actualités courantes relatives à un thème seront des articles. À côté de cela, on a des contenus beaucoup plus statiques qui ne vont pas évoluer, qui ne vont pas changer, par exemple les mentions légales, par exemple la politique de confidentialité, par exemple les conditions générales d'utilisation. On n'a probablement pas envie que celles-ci apparaissent entre deux recettes de cuisine lorsque l'on a un flux d'actualité. C'est pour cela qu'il a été créé deux types de contenu. Donc l'article pour les contenus courants et puis à côté de cela les pages qui contiendront ces fameuses informations plus statiques comme un formulaire, comme les conditions générales de vente ou les conditions générales d'utilisation. Les deux sections fonctionnent à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on pourra écrire du texte, faire de la mise en forme, c'est juste qu'il y a quelques petites différences, nous les verrons un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je vais aller dans la section article, prendre cet article par défaut, bonjour tout le monde, donc je vais cliquer dessus pour pouvoir le modifier. Alors je vais peut-être vous faire télécharger des contenus hein, pour ne pas avoir à écrire nos propres contenus. Donc, dans la description, je vous ai mis un fichier zippé qui s'appelle Package Ressources. Et ce Package Ressources, vous allez pouvoir le télécharger, le décompresser. Alors, pour décompresser sur Macintosh, eh bien, il suffit de faire un double clic sur le dossier pour le décompresser. Sur Windows, on fera un clic droit et on fera extraire tout. Extraire. Immédiatement, vous voyez que le fichier zippé produit une copie décompressée en un dossier donc, qui s'appelle Package Ressources RCN3. Donc, si je double-clique dessus,
j'ai un sous-dossier qui porte le même nom, et à l'intérieur, l'ensemble des contenus que nous allons utiliser dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais récupérer, c'est mon fichier, mon document Word, là, qui s'appelle Salade de Penne. Ce sera le contenu de mon article, puisque je vais écrire une première recette de cuisine. Ma première recette de cuisine, eh bien, ça sera les recettes concernant les salades de penne. Donc, je vais copier ce titre. Et puis, je vais retourner dans mon site. Là, où il est écrit « Bonjour tout le monde ». En fait, je suis à présent, j'accepte tout, je suis à présent dans un éditeur. Je vais donc pouvoir sélectionner « Bonjour tout le monde » et le coller. Et donc, à la place, j'ai maintenant « Salade de penne ». Je vais faire la même chose avec le texte de ma recette de cuisine. Je vais sélectionner toute cette recette à partir de « Voilà, c'est une version estivale » jusqu'à la fin. Je vais bien aller jusqu'à la fin. Je copie. CTRL-C. Et je vais coller ce contenu à la place de « Bienvenue dans WordPress ». CTRL-V. J'ai à présent un contenu présent sur mon site. Je vais enregistrer. Donc, pour enregistrer, c'est le contenu, c'est le bouton mettre à jour qui va permettre de sauvegarder tout ce nouveau texte que j'aurai tapé ou comme là que je viens de copier-coller. Une fois que la mise à jour est faite, je vais quand même vérifier que tout fonctionne bien et je vais donc aller sur mon autre site. Celui qui me permet de voir le front office. Le fait d'avoir deux navigateurs différents ouverts me permet vraiment de voir immédiatement ce que voit l'internaute et je peux en même temps, sur l'autre navigateur, faire les modifications en temps réel. Donc là, je suis sur l'ancienne page. Je vais donc simplement réactualiser ma page pour la recharger, pour aller rechercher le nouveau contenu sur le serveur. Et vous voyez que maintenant, à présent, mon site contient bien salade de penne, salade de penne, et puis la recette qui se trouve en dessous. Donc, comme vous le voyez, écrire du contenu, c'est relativement simple. Il suffit de taper du texte dans la section article. Donc, je retourne dans mon navigateur. Je reviens bien sur mon menu principal. Et donc, pour écrire un article, on va cliquer sur le menu article et puis on pourra créer autant d'articles qu'on le souhaite en cliquant sur le bouton ajouter. Là pour l'instant, j'ai simplement repris mon article qui s'appelait Bonjour tout le monde et je l'ai modifié. Donc la création, nous la verrons par la suite. Je vais donc bien présenter. Vous voyez, quand je clique sur salade de penne, je réaccède à mon menu, à mon exemple. Voilà, vous avez donc votre recette que l'on pourrait à nouveau modifier pour pouvoir ensuite le mettre à jour. J'espère que vous avez apprécié la facilité avec laquelle nous avons pu modifier cet article. Nous verrons dans les vidéos suivantes comment bien sûr mettre en forme cet article pour qu'il soit un peu plus convivial. Et puis, bien entendu, comment créer deux ou trois autres articles pour avoir un véritable site. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquez sur le petit bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.